Ouais, elles sont belles. Sur cette parcelle-là, on aura récupéré, tu penses, plus? Non, c'est beaucoup moins. On en a eu deux fois plus avec l'autre. Non. Avec cette parcelle-là, on en a eu deux fois plus. Ouais. Bah oui, oui. Si, si, je suis sûr. La cagette, je l'ai prise en photo la semaine dernière. Bonjour à toutes et à tous, on est le 26 juillet, il est 17h quasiment, donc le lendemain de la journée la plus chaude qui a été annoncée. Donc voilà le potager, en quel état il se trouve, sans arrosage, par canicule tous les jours. Voilà, donc tout a pris cher. Tout a pris très cher. Les pieds de tomates ont vraiment une mauvaise tête. Pourtant, c'est ce qui résiste le mieux à ces températures-là. Celui-ci, par contre, bah, nickel, impeccable. Celui-ci, c'est la bouture qui a été plantée il y a deux semaines. Il a été mis dans du terreau. Donc, je pense qu'en fait, du coup, le terreau a pu un petit peu aider à ce qu'il ne se transforme pas avec des feuilles toutes recroquevillées comme ça. Les pommes de terre, pareil, elles ont pris cher. Pied de courgette, bon bah regardez le pied de courgette, hein. Voilà, donc je pense que tout ça c'est perdu. Patate douce, ça va, ça a supporté. Bon, les choux, on n'en parle plus, hein. C'est ceux qui sont là-bas aussi, hein. Ils ont disparu. La mare, donc du coup, ouais, il y a deux grenouilles maintenant. Le niveau a bien baissé, hein. Vous voyez, c'est incroyable. Le niveau a baissé quoi, de 10 cm. La tour à fraisier, voilà. La beauté de la canicule. Le poireau, ça va. Apparemment, ça supporte bien. Ce pied de tomate a été sauvé par le brisu qui a été mis. Donc du coup, lui, il a moins chaud. Celui-ci, pareil, il crève de soif. Regardez le maïs. Le maïs sans eau. Fraisier sans eau. Pied de tomate sans eau. Là, on voit bien, on voit mieux les dégâts. Voilà, hop. Hein. Là, pareil. Donc ce soir, ça va être un bon arrosage. Ça va pas être du luxe. Les épis de maïs, ils ont pris cher aussi. Les carottes, j'en parle pas. La haie, j'en parle pas. Bon, j'ai quand même récolté les pommes de terre sur cette rangée-là. Il y a eu pas mal de pommes de terre. C'était la variété rouge, là, qui est un peu sucrée. C'est pas mal. Regardez le noyer. Voilà. Bon. Il n'y aurait pas eu de paillage, en fait. Il n'y aurait pas eu le paillage que j'ai mis. Je pense que là, tout y serait passé. Là aujourd'hui je filme sans micro, hein. J'ai sorti le téléphone en arrivant directement. J'avais envie de montrer un petit peu les graines. Là je vais pouvoir, c'est en train de monter, je vais pouvoir récolter quand il y aura des fleurs et des graines. Le potager qui est juste là aussi. Celui-ci il a un peu moins. Regardez les pieds de tomates, les œillets d'Inde, les salades et tout. Ici vu que j'ai mis le compost maison, bah, ça a bien aidé à supporter tout ça. Bon voilà, on va voir ce que je vais faire ce week-end. Il y aura de l'arrosage bien évidemment. Bon, voilà.